Départ de cette cinquième épreuve, le prix du PMU Le Dundee, une course attelée pour jument de 5 ans. 3000 mètres à parcourir avec un bon départ pour le numéro 3, Alice de Marzy, alors qu'on s'est montré fautif avec le numéro 5, Atina Duon. On vient en deuxième position avec Arkircha Drouezo, alors que le long de la corde, nous avons le numéro 8, Angela Cadet, alors qu'on note la disqualification du numéro 5, Atina Duon. À la sortie du premier tournant, avec Alice de Marzy qui a l'avantage, avec maintenant à son extérieur le numéro 6, Guircha Durueso. On est sur un deuxième rideau et côté corde avec Angela Cadet, avec également à son extérieur Arizona River. On vient ensuite avec Obat Carizé, accompagné par Marie-Pierre, juste devant à toi Vénus. Alors qu'au centre du peloton, nous avons le numéro 13, à 4 de la ferme, avec également côté corde Aube de la Nade, juste devant le numéro 15, Amaya. Et on est à l'arrière-garde avec Alicante de Sèvres, avec également Antillès de Mai en compagnie encore du numéro 11, Embrasse Molly. À cet instant du parcours, avec Obat Carizé maintenant qui s'est installé au commandement, avec en deuxième position maintenant côté corde Alice de Marzy. On est à son extérieur avec le numéro 4, Guircha Durueso. Sur un troisième rideau et côté corde, le numéro 8, Angela Cadet, accompagné encore à son extérieur par Arizona River. Un peu plus loin, Marie-Pierre avec Atois Vénus. Un peu plus loin, à 4 de la ferme, alors qu'on fait un très bon effort maintenant à l'extérieur avec Antillès de Mai. On se retrouve ainsi au. En 10-12e position avec Aube de la Nade devant encore Alcara, le numéro 12. Aube de la Noémie est un peu plus loin avec Alicante de Sèvres également avec Embrasse Molly. Ils vont aborder le tournant pour aborder la ligne droite des tribunes avec Antillès de Mai qui s'est installé au commandement et qui a relayé ainsi Obat de Carizé avec en troisième position maintenant Alice de Marzy. On vient à l'extérieur avec numéro 13 à 4 de la ferme alors qu'on est en cinquième position dans son dos avec Guircha Durueso, alors qu'on est en 6-7e position avec numéro 7 Arizona River devant le numéro 16 à toi Vénus au centre du peloton avec Marie-Pierre devant encore Amaya, un peu plus loin le numéro 9 Aube de la Nade avec également à son extérieur Aube de la Noémie, un peu plus loin Alcara devant encore Embrasse Molly et en dernière position le numéro 2, Alicante de Sèvres. Un peloton qui va deux par deux pour aborder les 1100 derniers mètres, alors qu'on s'est retiré de la course avec Amari Pierre. C'est toujours Antillès de Mai qui a l'avantage. Le numéro 14, avec en deuxième position plutôt à l'extérieur, à 4 de la ferme. Avec côté corde, toujours Obat Carizé, accompagné encore à son extérieur par le numéro 6, Guircha Durueso. Alice de Marzy est le long de la corde en cinquième position. Arizona River qui est maintenant en sixième position. Devant encore côté corde, Angela Cadet. Sur la même ligne, nous avons Atois Vénus. On est en dixième position avec Aube de la Noémie, également côté corde, avec Aube de la Nade. Avec maintenant, on tente de quitter l'arrière-garde et de faire mouvement avec Embrasse Molly. Et également, on lui emboîte le pas avec Alicante de Sèvres. On se retrouve ainsi en dernière position avec le numéro 12, Alcara. Il leur reste 800 mètres à parcourir avec au commandement toujours Antillès de Mai avec à 4 de la ferme. On est en troisième position maintenant côté corde avec Obat de Carizé, alors qu'on est à son extérieur avec Guircha Durueso. On continue sa progression à l'extérieur avec Embrasse Molly, avec maintenant Amaya qui tente de faire mouvement. Alors qu'Arizona River est toujours en 4e, 5e position avec également Alice de Marzy. Alors qu'on se montre fautif actuellement avec le numéro 14, Antillès de Mai. La dernière ligne droite, abordée en tête par A4 de la ferme avec en 2e position Guircha Durueso. On est en 3e position maintenant avec Obat Carizé. On tente de bien finir avec Alice de Marzy également à l'extérieur avec Amaya. Alors que le numéro 14 a été disqualifié avec A4 de la ferme qui a toujours l'avantage. Avec en 2e position Arizona River. Mais on finit de plus en plus vite à l'extérieur avec Amaya. Avec Amaya qui prend maintenant l'avantage et qui va s'imposer dans cette cinquième épreuve. La deuxième place pour Alice de Marzy et la troisième place pour Arizona River. Alors que le numéro 1 à Marie-Pierre avait été disqualifié. C'est pour ça.